mon cochon. Je dis pas un braconnier. Un braconnier? Mais c'est pas du braconnage, c'est un lièvre que j'ai trouvé mort et il faut bien que je lui donne une sépulture. Oui, tu vas lui en trouver une dans ton ventre. Ben tu vois, Beausoleil, j'étais en train de me demander si je ne devrais pas le déposer aux objets trouvés. Parce que comme ça, dans un an et un jour, il deviendra ma propriété. Est-ce que vous avez un frigidaire à la mairie? Est-ce que tu te fous de moi? Non. Mais si tu aimes le civet, Babette le fait à s'en lécher les doigts. Je n'aime pas le civet qui contrevient à la loi. C'est un lièvre accidenté, je t'ai fait remarquer. Et si on le mangeait ensemble? Avec une bonne friture de goujon, une omelette aux champignons. Tu vis bien pour un simple journalier. Il faut bien prendre des forces, hein. Allez, on compte sur toi, hein, beau soleil. Une condition. Je ne saurai pas ce que je mange. Tu entends, Tistin? Je ne le saurai pas. D'accord. Tu ne le sauras pas, je te le jure sur sa tête. On ne saurait pas que c'est du lapin, on jurerait que c'est du lièvre, pas vrai, beau soleil? Mais on sait que c'est du lapin. En ce moment de l'année, ça peut être que du lapin. Vous en prenez, beau soleil? Bien sûr que j'en prends. Tiens, sacré lapin! N'empêche, mon képi me donne de l'importance. Oui, je lis les arrêtés dans la rue, moi. Et tout le monde m'obéit, je suis quelqu'un. Tandis que toi, tu finiras clochard. Comme Saint-Pierre. Saint-Pierre? Un rêve que j'ai fait cette nuit. J'arrivais au ciel avec Pronos. Me voilà devant Saint-Pierre. Rien qu'avec mon âme. C'est incroyable ce qu'on peut se sentir à poil quand on n'a plus son corps. Il ressemble à quoi, Saint-Pierre? Ben, comme qui dirait, un douanier qui vous demande si vous n'avez rien à déclarer. Ben, que je réponds pas grand-chose, étant donné que j'ai toujours été un travailleur sans vocation. Tu vas fort avec Saint-Pierre. À part ça, il me demande, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, un peu tout, un peu rien, vu que j'étais, comment dirais-je, une sorte de chômeur. Chômeur qui me fait Saint-Pierre? Mais j'étais aussi, moi, autrefois, dans la région de Tibériade. J'ai même été clochard. Regarde où ça m'a conduit, alors qu'Hérode et Ponce Pilate font maintenant de l'anthracite pour le diable. Il est marrant, ton Saint-Pierre. Ensuite. Faufile-toi, qu'il m'a dit en m'ouvrant la porte. Un clochard, ça finit toujours à l'armée du salut. C'est comme ça que je suis entré au ciel. Ça ne veut rien dire, ton histoire. Détrompe-toi, beau soleil. Les paroles de Saint-Pierre m'ont donné une idée. Une idée? Qui va vous épater, toi et ton képi. Tout à l'heure, j'irai à la mairie. J'irai demander une carte de chômage. T'es complètement fou. La Chemère, elle est peut-être la seule commune de France qui peut se vanter de ne pas avoir de chômeurs. Eh bien, il y en aura un. Salut. Ah, c'est vous? Oui. Ben alors, vous allez m'inscrire. Comme quoi, vous inscrire? Comme chômeur. Comme chômeur? Mais à quel titre? Mais au titre que je n'ai pas le travail et que j'ai droit à l'indemnité du malheur. Du malheur? Comme à Tibériade. Tibériade? Non, mais qu'est-ce que vous racontez? D'abord, nous n'avons pas de fonds de chômage à Clochemerle. Vous n'avez pas de fonds de chômage? Eh bien, c'est honteux. On se fout du peuple, voilà. Je vous en prie. Laissez. Ne dites rien, mon ami. Dites rien. On ne demande qu'à vous aider. Hein? La commune va vous procurer du travail. Du travail? Un fait et humiliant. Un fait et humiliant? Mais quel est donc le genre de travail qui vous plairait? Ce qui me plairait? Moi, j'aimerais un emploi d'inspecteur pour surveiller le travail des autres et ne pas commencer trop tôt le matin. Vous avez ça? Mais distance, cette situation ne correspond pas du tout à ce que vous êtes dans la vie. Alors je dois renoncer à m'élever. Non, c'est bon. Je mets au chômage. Inscrivez-moi. Avez-vous des papiers? Des papiers? Eh oui. Je les blâme, les papiers. Eh ben, c'est une belle cochonnerie, votre livret. C'est le seul cadeau que m'a fait le gouvernement. Vous devriez le faire changer. Oh, c'est que j'y tiens, hein. On a trop transpiré ensemble. Allez. Reprenez cette saleté. Ma ficelle, s'il vous plaît. Et voilà votre ficelle. Alors comme ça, je suis inscrit comme chômeur, hein? Votre demande sera remise au conseil municipal, qui statuera dès le retour de M. Piéchu. Mais ne vous faites aucune illusion. Dites au conseil de se dépêcher, car voilà l'été qui arrive, c'est la bonne saison pour le chômage. Carte de chômage, un feignant pareil? Non, non, non.
séance du conseil municipal est ouverte. Voyons, messieurs, nous sommes saisis... Merci. Nous sommes saisis d'une demande assez particulière. Le nommé Baptistin Lachoux, que nous connaissons tous, réclame une indemnité de chômage. Oh non, 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 chômage, tu me plaisanteries. Ah, il dit ne trouver que du travail infect et humiliant. Voilà, infect et humiliant. Alors non, s'il cherchait vraiment du travail, il en trouverait, c'est expérience. Je sais. Cependant, à la réflexion, je vois là l'occasion d'une mesure d'une grande portée, parce qu'elle placerait Clochemerle à la tête du progrès social. Comment ? Notre ville s'enorgueillit de ne pas avoir de chômeurs ? Et ce propre à rien voudrait changer ça ? Non, jamais. Mais notre municipalité en aurait le bénéfice devant l'opinion. Pure démagogie. En tant que chef de l'opposition, je me refuse à nourrir une bouche inutile. Une bouche est une bouche. Hein, et un ventre de sourd, il faut mettre quelque chose dedans, comme dans la sabille du pauvre. Les pauvres ont bien souvent mérité leur sort. Et les riches ont-ils mérité le leur ? Messieurs, concluons. Ce chômeur, en quelque sorte symbolique, nous vaudra l'excellente publicité sur le plan régional. Et j'ajoute que grâce à lui, je pourrais obtenir des crédits que Paris m'a refusés jusqu'ici. Je mets donc aux voix. Bon, adopté à l'unanimité. Allez. Comment à l'unanimité, mon cher, je connais mon métier, croyez-moi, faites-moi confiance. Oui, tu es appointé par la mairie maintenant. Pourquoi faire? Pour rien faire. Rien du tout? Tiens, voici ma carte de chômage. Carte d'identité de Oh! Alors nous allons te payer à rien foutre. Ah, moi je vous avertis, monsieur, que je n'accepte pas de crédit. Ah, ben, elle est forte, celle-là. Tu vois, je l'ai obtenue. Sacré rossard! À mesure tes paroles, et beau soleil, je suis ton égal maintenant. Mon égal? Fonctionnaire, tous les deux payés par la municipalité. Toi comme garde, moi comme chômeur. À moi la liberté, à toi le képi bourré d'intelligence. Prends garde, Pistin. Je te prenne pas à travailler seul. Oh, pour ça, tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que c'est? À nous la belle vie. Carte de chômage? Ça te donne le droit à quoi? Et ça me donne le droit à ne pas travailler. Pour ce que tu faisais avant. Oui, mais maintenant, c'est officiel. Je suis légalement autorisé à ne rien faire. L'État me prend en charge. Je ne fais rien pour 10 000 francs par mois. Mais qui te les donnera? Marianne. Qui c'est encore celle-là? Ben, ma nouvelle patronne, la République. Oh, mais dites, ça va nous augmenter nos impôts? Et ma patente? Ben, et la mienne. Écrasée qu'on est déjà dans le petit commerce. Et on viendra se plaindre que le cochon est trop cher. D'aujourd'hui, j'augmente mon saucisson de 50 francs par kilo. Moi, j'ai préparé une pétition pour protester. Donnez. Je vais la signer dès demain, moi, votre répétition. Nous aussi. Alors, les hommes vont travailler toute la nuit devant le four pour un inutile. Et c'est une véritable gabegie. Oh, oui, alors. Oui, alors. Comment vous appelez ça, vous? Dans la gabegie. C'est un terme que mon mari emploie quand il est en rogne. Donnez. Pour sûr, moi, que je vais vous la signer, votre compétition. Maintenant, j'ai une situation. Vous avez trouvé du travail? Je suis chômeur patenté. Mais comment vous avez obtenu ça? Sur ma bonne mine. Eh bien, vous allez en faire des jaloux. Il ne fallait rien demander à cet homme, mon père. C'est le dernier des voyous. Ah, vous savez bien que les derniers seront les premiers, mes filles. Qu'est-ce que Tistin de lui raconter? Vous ne trouvez pas un peu fort, monsieur Tafardel, que le curé préfère un chômeur? Et je vous le dis, mes frères, avec les avares, Dieu sera pareillement avare de ses grâces et de ses faveurs. Vous n'obtiendrez pas pour rien une éternité de bonheur et de confort. C'est ici-bas qu'il faut y mettre le prix. C'est ici-bas qu'il vous faut songer à votre salut. Le ciel, c'est sur la terre qu'il faut le gagner. Les pièces de 100 francs seront les bienvenues. Dieu saura bien qui les a mises dans le plateau et qui mérite ses indulgences. Allô, mes frères, secouez les tirelires, fouillez dans les madeleines. Offrez-vous du ciel selon vos moyens. Amen. Hey, bonjour, Pignaton. Bonjour, monsieur le maire. Alors, on se paye un peu de plaisir? Eh, dame, c'est pas tous les jours fête. Sauf pour les chômeurs, évidemment. Hein, encore un mécontent. Eh, ils sont nombreux à désapprouver la mesure que vous avez prise en faveur de Tistin. Eh, ça s'arrangera, mon vieux, tout s'arrange. Oh, ben la place, on reconnaît pas les amis. Ah, pas des, tu me reconnais, toi. Ouais, c'est-à-dire que... Allez! Oh, vous, ça va, hein? Oh, ça, par exemple... Vous n'avez rien à faire ici, Tistin. La vente de charité n'est pas à votre profit. On vous donne déjà assez comme chômeur. Je voudrais... Vous oseriez acheter du vin vieux avec l'argent de la commune? Qu'est-ce qu'il y a? Avec notre argent? Allez, allez, vous. Partez.
Quelle horreur, cet homme! Restez pas ici, monsieur Tistin, je vous en supplie. Pourquoi? Écoutez. Plus tard, je vous expliquerai. Piège, chômeur! Si jamais je le prends à braconner, on peut pas en prison! Je suis en quarantaine. Quoi? Comme chômeur, je coûte trop cher, paraît-il, aux citoyens du Cauchemar. Mais ça, je ne pardonne pas. Puisqu'on est dehors la loi, on va s'élever au-dessus des lois. Même des lois de l'équilibre. Et tout ça avec notre argent. Le chômeur, c'est pas un métier. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ah non, moi, j'aime la rivière, la chasse, la pêche, le ciel. J'aime aller où bon me semble. J'ai entendu parler de mes paroissiens. Pour eux, tu es un dangereux anarchiste. Signé Laroudel. Tu donnes un exemple pernicieux. Signé Fadet. À cause de toi, la société se décompose. Signé Chavagne. Tu es un coureur, un ivrogne et un débauché. Signé Pauline Coton. Tu sais ce que dit Beausoleil? Oh, celui-là qui a eu se faire. Oh, pardon. Oui. Et il dit qu'en haut lieu, il est question de te retirer ta carte. Il a dit ça? Il a dû casser la gueule. Oui, mais ça ne rajoute rien. Ce sont surtout les femmes qui t'en veulent. Et qu'est-ce que je leur ai fait? Et rien. Non, leur mari travaille. Toi, tu tournes les pouces à leur frère. C'est de la jalousie. La jalousie, c'est pas beau. C'est un péché. Oui, certainement. N'empêche que tu veux vivre autrement que tout le monde. Ah, moi? Mais je n'ai pas un fifrelimbe, pas un pied de vigne. Si le pauvre a l'air d'être heureux, les riches ne peuvent pas le supporter. Et alors, monsieur le curé? Alors, trouve une solution. J'aime les bougres qui tranchent sur l'ordinaire. Tu en es un. Malheureusement, tu es en train de perdre la partie. Et je n'aime pas miser sur les perdants. Comptez sur moi. Je vais tâcher de regagner la sympathie générale. Je te fais confiance, mais c'est la dernière fois. Mon père, vous êtes un frère pour moi. Vous n'allez pas vous tuer, madame Pignaton, à pousser cette brouette jusqu'à la voie. Et qui c'est qui me la poussera si je ne le fais pas? Moi? Vous? Si vous le permettez. Je vais justement par là. On me dit qu'elle est lourde, hein? Oh, ben je crois bien, ça m'emporte les épaules. C'est pas un travail de femme, ça, il faut une force d'homme. Ouais, les hommes, ils aiment mieux aller vider un pot que de venir nous aider. Oh, pas tous, quand même. Ah, il y en a peu comme vous, Tistin. Ah. Vous êtes un brave chômeur. Voilà qui est fait, madame Malatoise. J'en ai profité pour changer le tuyau de caoutchouc qui était cuit. Regardez ça. Mais c'était dangereux. Non, vous pouvez vous asphyxier d'un moment à l'autre. M'asphyxier? Vous savez, le gaz, c'est la vie toute bête de vous endormir. Il ne prévient pas. C'est une mort douce, remarquez. M'asphyxier? Mais alors, je vous dois quasiment la vie. Vous auriez peut-être pu vivre encore 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois? Ça dépendait de la fente. Oh, mais vous êtes précieux, Tistin. Merci de me l'avoir gardée, Tistin. Et maintenant qu'elle vous connaît, vous pourrez jouer avec elle. Votre tête lui revient. Ah! Vous, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas vous voir rôder sous mes fenêtres. Justement, sur le sujet de la fenêtre, là, il y a un volet qui va tomber. Eh bien, vous occupez pas du volet, foutez-moi le camp et filez. Allez! Bon, ça va. Oh, la peine. Si vous êtes assuré tout risque, ça va, mais si vous n'êtes pas assuré et que le volet dégringole sur la tête d'un tiers, ça vous coûtera cher. Eh bien, ça vous coûtera... Eh bien, voilà. Les dents. Hein? Mais c'est que je ne suis pas assuré tout risque, moi. C'est pas possible. Vous voulez que je vienne demain matin avec un peu de ciment et la truelle pour... Oui, oui. Mais vous travaillez donc, Tistin? Ah, qu'est-ce qui peut m'empêcher de rendre service à des personnes qui me sont sympathiques? Eh ben, il manquerait plus que ça, ouais, comme vous en empêche. Il manquerait plus que ça, comme on empêche, voyons. Alors, demain à 8h, ça va? Ça va, merci. À 8h demain. Entendu? Tistin, oui. Je prépare un bon petit déjeuner. On mange une petite tasse de café seulement sur le petit. Tu es encore au lit? Oui. Caroline Liache t'attend pour la réparation de son séchoir. Et Claudine Soupia pour son frigidaire. J'ai aussi noté des rendez-vous pour l'après-midi. Ah oh, oui, mais enfin. Ben, pas de ce dimanche aujourd'hui. Je vais pas me tuer au chômage, moi. C'est pas une raison pour que tu manques de parole. Dévaliser une épicerie. Mes derniers petits profits. Des œufs, des boîtes de conserve, un saucisson, du vin. Ah, je vois qu'elles te gardent, ces dames. Une paire de chaussures presque neuves. Un pantalon. Et ce n'est pas tout. Tiens. Regarde. Combien? Presque 20 000 francs d'économie en 2 mois. J'en ai jamais gagné autant comme laveuse. Te voilà capitaliste, Tistin. T'as pas peur qu'on te vole? Voler un chômeur? Oh, tu veux rire? Oh, c'est égal. À ta place, j'irai déposer cet argent à la caisse d'épargne ou à la banque. À la banque? Chez des gens que je ne connais pas. Mais puisque vous êtes si aimable, j'ai un service à vous demander. Je vous en prie. Il y a une fuite dans ma cave. C'est pas possible. Oui, un tuyau qui perd. C'est à réparer tout de suite. Oh, ça ne presse pas, ça ne coule que goutte à goutte. Ah, mais les grandes catastrophes commencent toujours goutte à goutte. Je ne voudrais pas vous faire travailler un dimanche. Pour un bon chômeur, le dimanche n'existe pas.
Et il le met à votre service. Je ne sais pas où est Distin. Mais j'ai besoin de lui. Mais nous aussi. Nous aussi. Vous n'avez pas idée où je peux le trouver. Non, même Pignaton. Attendez voir. Et peut-être chez même Sardinet. J'en viens, il n'y est pas. Ou chez Claudia Tripotier. Oui, ben il n'y est pas non plus. Ben, alors chez Caroline Miache. Oh, mais ça fait une semaine qu'elle n'a pas vu. Alors. Ben, tout ce que je sais, c'est que je vais pas dans ma poche. Oh. Et qu'on ne peut plus se passer de lui. Mais c'est quasiment indispensable dans le pays, un chômeur. Et avec ça, qu'il est serviable. Et amusant. Et à droit comme un singe. Si je vous disais que pour planter un clou, vous entendez bien, un clou, il faut que j'attende des mois pour que mon mari se décide. C'est bien pour ça que notre fils, ça nous est si précieux. Nous l'attendrons. Voilà. Mais qu'elle nous laisse notre chômeur. Parfaitement. Notre chômeur. Notre chômeur. Vous savez tout faire, Distin. C'est précieux, ça, dans une maison. Oui, mais seulement, voilà, je n'ai pas de maison. Il faudrait qu'on m'en fasse cadeau d'une, et ça se fait pas. Clémentine, ce n'est pas avec des cierges que tu gagneras le paradis. Miséricorde. Chavelle, l'ange du Seigneur te parle. Écoute-moi. Je vois ton âme. Elle est noire et puante. Je vois tes péchés, ces péchés que tu caches à confesse. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Jalouse, médisante, faniteuse, est-ce vrai? Oui, Seigneur. Tu déblatères sur ce brave Distin, la crème des chômeurs. Est-ce vrai? Tu sens le roussi, Clémentine. Tu sens déjà l'agrégat. L'enfer t'ouvre ses portes avec ses 1000 degrés de température. Oh, Distin, oh, comme vous êtes bon, comme vous êtes secourable. Comme l'ange du Seigneur, vieille sorcière. Comme au soleil. Et où vas-tu de si bon matin? Il faut un passeport maintenant sur les routes de France. Qu'est-ce qu'il y a dans ta mallette? Ma fortune. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu n'es pas agent du fisc, que ça ne te regarde pas. Oh, oh, quel est le misérable qui a pu... Je m'en doute, monsieur le curé, moi aussi. Hein? Expliquez-vous, mademoiselle. Mais c'est le chômeur, monsieur le curé. Oui, c'est le chômeur. Oh, mesdames, vous portez là une accusation grave. Mais oui, c'est pas parce qu'il était hier à l'église qu'il faut le soupçonner. Oui, Wafnav a raison, voyons. Mais le chômage est père de tous les vices, monsieur le curé. C'est lui, j'en suis certaine. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faisait hier à l'église? Il arrangeait les haut-parleurs. Je lui avais donné l'autorisation. Mais il m'a agressé, monsieur le curé. Il m'a agressé. Agressé? Oh, j'ai cru que c'était le diable. Il faut porter plainte immédiatement. Et quand on a de l'argent qu'on veut mettre de côté, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est bien simple. Vous le déposez chez nous. Et on vous ouvre un compte. Un compte, oui. Et qu'est-ce que vous en faites, vous? Nous vous le gardons. Et où ça? Dans des coffres forts. Si fort que ça? Et si je veux reprendre mon argent, je peux? Quand vous voulez. Et si à la guerre, est-ce que vous fermez vos portes? Nous ne sommes pas en guerre, monsieur. Ouais, ben, moi, si je vous donne mon argent et puis qu'à la boîte ferme, alors je suis marrant, vous comprenez? Enfin, décidez-vous, monsieur. Vous avez une pièce d'identité? Oui, et vous? Qu'est-ce qu'apporte les sous? Tenez. Chômeur? Et comment? Si je n'étais pas chômeur, je ne vous apporterais pas mon argent. Dites-moi, j'ai entendu dire que certains banquiers, parfois, levaient le pied. Est-ce vrai? Mais pas nous, monsieur. Nous sommes une banque d'État. Une banque d'État? Oh là là, alors j'ai encore plus peur. Non, je crois que je vais garder mon argent. Comme vous voudrez. Et si je vous le laisse, vous me donnerez un reçu au moins. Mais oui, monsieur. Et un beau carnet de chèques comme ceci. Alors je vais vous donner 38 543 francs contre ce petit bout de carnet qui ne vaut pas 30 sous. Eh bien, on peut dire que vous, alors, les gens des banques, vous êtes fortiches. Hein? Oui, enfin, un soupçon n'est pas une preuve. La déposition du garde champêtre est formelle. Le matin même de la découverte du vol, il a surpris Distin qui s'enfuyait à toutes jambes sur la route de la gare. Elle n'a toujours pas une preuve. Il portait une valise à la main. Une valise? Une valise sur la route de la gare, quoi de plus naturel. Le coupable est Distin Lajoux. Il faut prévenir la gendarmerie. Moi, j'avais assez prévenu le conseil qui ne devait pas accorder de crédit de chômage à un homme qui ne présentait aucune garantie de moralité. Au nom de la loi, t'arrêtes. Mais tu es fou. Ne discute pas. Tu expliqueras à la mairie. Avec quoi tu as acheté ton vélo neuf et ton beau costume?
avec ça. Sais-tu seulement ce que c'est qu'un carnet de chèques? Carnet de chèques. Tu reconnais donc avoir déposé de l'argent à la banque? L'argent que j'ai économisé en travaillant, n'est-ce pas, Babette? Parfaitement. En travaillant? Tu avoues donc que tu travaillais? Il veut dire en se rendant utile. Alors, tu reconnais que chômeur, tu recevais un salaire? C'est pas un salaire, c'est des offrandes. Des offrandes? Ouais. Eh ben, mon bonhomme, tu viens d'avouer. Ton compte est bon. Allez, hop, suis-moi. Il n'y va pas, Pistin. Mais si, j'ai ma conscience qui est pure, Babette. Allez, allez. Pas soleil qui me met à l'ombre. Ouais. À vous garde que c'est champêtre. Je t'avais bien dit que je t'aurais. Tu as trop nargué la loi. Oui, mais toi, tu as mangé le civet. C'était du lapin de chou. Mon œil, je l'avais pris au collet. Alors tu avoues. Mais tu t'es complice. Tu t'es vendu pour un civet.